Balandi ya Congo Live Télévision mbote bisika bozali tolobi matondo mingi na ba téléspectateurs nyonso ya Congo Live Télévision oyo bakei kolanda betu na ngonga ya bisika nyonso bozali ndenge bokomi ya remarke ke ata kutu mungongo na biso ezobima malamu te likolo ya kobela me tozo forse kaka tomona boni tokosala pour que to continue ko informe ba milliers de ba compatriotes congolais oyo bafandi musika ya mboka oyo baza na kati ya mboka bien que baza un peu loin dispersé na kati ya ba provinces différentes mais tozomona tozo tala boni tokosala pour que to fanda te et que ba milliers de compatriotes congolais batikalaka toujours informé raison pour laquelle toyeli susu ko kapela bino basango ya makambo oyo ezoleka na kati ya République démocratique du Congo dans sa partie est et l'autre côté où des milliers de compatriotes va continuer à souffrir dans les camps de déplacés. Mais aujourd'hui, on s'est dit il est possible et il est normal, bien que tout ça va blocage, ma santé aussi mbate, ma difficulté zali, mais tout le bito ça là, oyo et singeli tout ça là, pour que tout ya bino au point d'actualité. Mukolo mwalelo toko lobela ba du vers sigé oyo ya makambo ezoleka na kati ya République démocratique du Congo opération ya ba FRDC na ba UPDF na kati ya province Nord Kivu na partie nord ya province oyo opération Oshudia oyo sali déjà plus ya 3 ans et que lelo opération ezo continue depuis au moins une semaine il y a des résultats oyo ezo monana du côté ya ba FRDC toyoka ki boni ba sala ki ba attaque sur les positions ya ba ADF oyo ba perpetra ka ba meurtre na kati ya mboka Beni oyo eza tozo ya lisusu awa ko kabela bino au-delà de ça donc après juste ba attaque wana nini esalemaki toyoka ki ke 14 personnes ezala ki remise au na me ya société civile to 14 civils oyo bazala ki libéré oyo bazala ki détenu depuis 2 ans na kati ya ba me ya ba ADF suite ya ba affrontement oyo suite ya ba attaque oyo ba FRDC ba lansaki sur les positions ya ba ADF oyo ezala ki moko ya ba résultat libération ya ba compatriotes congolais. 22 autres personnes ont été remis au mains des FRDC tokoyeba ezalaki ndenge nini 22 personnes oyo ndenge bozutela na image bazalaki détenu na kati ya maboko ya ba ADF ba rebelle ya ba ADF oyo bazo perpétrer ba meurtre na kati ya Beni ekozala sije na biso ya liboso ya 22 personnes oyo bazalaki libéré. Deuxième point na biso tokolobela ici révocation oyo mokonzi ya mboka ye moko asinyaki ordonnance ya ko révoquer monsieur Jean Bosco Baala oyo azalaki président ya PDDRCS azalaki directeur national to responsable ya PDDRCS oyo aza jusqu'à présent na Uganda. De l'autre côté, il est accusé d'avoir participé na réunion oyo eza République démocratique du Congo te oyo mandata kie. De l'autre côté, ye na ngambo na ye azo nié ba allégation wana. Qu'est-ce qu'il faudra comprendre au sein de cette affaire? Na ngambo ya bananga balobaki ye nde mutu parce que tout mona ki document wana oyo ezala ki signé de l'autre côté ordre de mission ya ngambo ya M23 oyo balobaki Kinshasa ezala ki représenté par Jean Bosco Bahala oyo ayaka ki na cadre ya PDDRCS donc na cadre ba démobilisé na cantonnement na biloko mosusu raison pour laquelle mutu wana après avoir été révoqué ye azo nié ba allégation wana. On va comprendre ce qui se passe autour ya ba enjeu wana et puis on a troisième protocole de la situation sécuritaire comment se déroule trêve dans l'est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore sur Congo Live Télévision. Nous en parlons ici de la situation en République démocratique du Congo. On parlait de la situation sécuritaire. Lelo ezoyo kama bisikanyo soeke République démocratique du Congo eza en proie à l'insécurité, eza menacé, ezo sala bitumba contre les rebelles du M23, mais qu'est-ce que bango bazo sala na ngambo na bango? RDC elingaki ezwa ba coopération militaire avec ba état africain o eza ba voisin ba état africain oyo bazali ba moko ya batu oyo ba ye bandai ko estime ke baza ba frère oyo ba koki ko faire comprendre très bien à Kagame ke biloko
bazo sala na kati ya République démocratique du Congo eza très bien te parce que la RDC et le Rwanda demeurero des pays voisins. Ni le Rwanda ni la RDC, aucun pays va déplacer l'autre pour dire je ne te veux plus comme voisin. Ba otika la kaba voisin alors gouvernance ya ba konzi ya Rwanda o ezo tinda lelo ba autorité congolaise à s'en vouloir de ces pays. On parle ici de l'opération RDC Ouganda, les forces de défense du peuple ougandais, MDVA, UPDF, ont remis lundi 22 juillet 2024 22 personnes enlevées par les ADF au FRDC à Kasindi, les anciens kidnappés qui étaient en réédication depuis 6 mois en Ouganda. Donc, Bazala qui remis Oyo Boyoka qui keno ba Oyo Bazala qui capturé Bazala qui remis en Ouganda, c'est-à-dire Ouganda na ba opération na bango Bazala qui kosala et qui ba libéré Bazwa bana mboka bana Congo. Qu'est-ce qu'il faudra noter là-bas et que il y a des personnes qui ont été enlevées par les UPDF. Par les ADF, les terroristes ADF dans la région de Beni. Et puis les UPDF avaient réussi à libérer ces gens dans les mains des ADF. Donc, Bango ba joua rôle, yako zoua batu oyo bazala ki capturé donc les captifs dans les mains de des ADF oyo bakota ki na maboko ya UPDF. Après les avoir rencontrés, après les avoir récupérés entre les mains des ADF, ba achemina ki bango batinda ki bango jusqu'à Ouganda parce que ba oyo ba récupéra ki bango zala ki ba UPDF dans leur opération au Shujaa qui consiste à traquer les rebelles to les terroristes ADF et à les neutraliser et à finir ce système. Mais ce que vous devrez connaître, ce que vous devez connaître ici, vous le dire, pardon, ce que vous devez connaître est que cette opération au Shujaa, soutenue par le FRDC en collaboration avec le UPDF, consiste non seulement à neutraliser les UPDF, mais également à récupérer tous ces gens qui sont capturés, ces captifs-là, entre les mains des UPDF. Parce que, bah, ça, Air bazo désinstabilisé bango ngongo zo bima très bien te boko limbisa biso maladie zo beta biso mais tozo sala oyo sengeli to sala c'est que batwana air ba attaquer ba position na bango baza mingi mingi na système ya ko zuwa nzela ko kima bango elongo na ba oyo bazalaki enlevé, c'est-à-dire bazu bango nzela bakati nzela bakeyi na bango elongo. Mais l'UPDF avait fait tout pour que ces milliers de Congolais ba tikala au moins na maboko na bango. Ainsi on les a remis. Ces 22 personnes wana bazaki capturé bazaki na Ouganda, désormais ils sont remis entre les mains de FRDC, entre les mains de la société civile, entre les mains du gouvernement congolais. Alors nous y revenons maintenant pour parler du dossier responsable de PDDRCS qui est Jean Bosco Bahala qui a été révoqué. Ce dernier a été révoqué dans le sens que Akendaki Ouganda, il est parti en Ouganda sans l'aval des autorités congolaises, sans l'aval de Kinshasa. Il est parti avec une forte délégation. D'après Kinshasa, parce que toujours on a une version à Kinshasa, qu'est-ce que dit Kinshasa? Qu'est-ce que Kinshasa dit? Il est accusé de quoi? Qu'est-ce qui est à sa charge aujourd'hui par Kinshasa? Nini oyo bazo fundae lelo. Ba fundie ya yambo ke akenda ki ko représenter RDC oyo si e boi ke e ko dialogue jamais avec qui que ce soit en dehors ya format ya Angola. Format Angola, c'est-à-dire parce qu'il faudra aussi faire comprendre ses compatriotes congolais, format Angola, ça veut dire quoi? Est-ce qu'ils sont perdus? Format Angola, ça signifie quoi? C'est-à-dire, format Angola, dans le cadre de l'Angola, c'est-à-dire, il n'y aura pas de discussion, de dialogue ou de négociation tant que les rebelles du M23 seront disponibles sur le sol congolais, c'est-à-dire. Et Sengeli, va m'y retirer de RDC pour dialoguer dans Rwanda, de RDC et co-estimer prendre part sur une table Oyo ya dialogue. Aussi longtemps que cela ne s'est pas encore réalisé, de sa part, le gouvernement congolais reste catégorique dans ses propos, a montré toujours que bako négocier jamais
Il ne faut jamais dialoguer aussi longtemps, cela ne s'est pas encore réalisé. Alors, l'état qu'on est en train de continuer, voilà donc aux charges Oyo, Ezana Mutu et Jean Bosco Bahala. Eza charge Ezana Mutu Naï. Le président lui-même a signé ordonnance à révocation, il y a responsable, il y a institution. Batubazo Mituna, est-ce qu'il serait réveillé? Il pourrait se réveiller un certain bon matin. Alati Bilamba Sukoli, a Bengi Staff Nae Bamati Avio Bakei Uganda. Est-ce que Kinshasa n'était pas au courant de ce qui s'est réalisé? Parce que Wanande ba accusation Ezali. Na ordre de mission ya Batu Oyoya. Ya Batu Oyoya. Ya Batu. Ya AFC. Bakomaki na se kuna ke. Kinshasa est représenté par. Don Oyo atinda maki na kombo ya Kinshasa. Et beaucoup de gens le savaient déjà que Kinshasa. Ils ont entamé ba processus. Ya komona boni ba kukantone. Batuana. Batuana nde bazo senga. Pas même Kinshasa, Batouana de Bazo Senga. Ils ont demandé à Nanga comment est-ce que à la longue, Bako amnistie Bango, Bako limbisa Bango, Bako zala démobilisé. Mais Kinshasa revient juste après la version Moussousou qui ni de près ni de loin, Batinda jamais Bosco da Bahala na Uganda. Est-ce que Amitindaki? C'est aussi des questions qui se posent. Ils ont ma question, Zomituna. Est-ce que lui aussi. Il s'est envoyé à Kinshasa. Nous allons partir à Kinshasa. Ton continent nous est parti. Où est-ce que, qu'est-ce que lui fait savoir? Nangambo nae, Jean Bosco Bahala, yepe a lobi nini. Ya lobi boe. D'abord, un, a kenda kite na cadre, ya rencontre na ba rebelle ya M23. Ça c'est un. Donc c'est-à-dire na rencontre ya ba AFC. Il n'était pas parti à Kampala pour ça. Akendaki na Kampala na kati ya mission ya go récupérer bana congolais to les congolais oyo bazalaki pris en otage par les rebelles ou les terroristes LRA oya Uganda ye akendaki ndenge na yebisaki bino na yambo. Ye akendaki kozua bare metre ye bana oyo na yebisaki bino au départ ke no ya bana oyo bazalaki na kati ya maboko ya barebel lupi df aresi kozua bana wana eke ye oyo bapesaki ye kaka lulenge oyo ye sengelaki azala na bana wana nde oyo ye akendaki kuna bapesa ye bana wana se kongole. Ces milliers de Congolais, ces 22 personnes wana bazongi sabango na kati ya maboko ya gouvernement. Mais kolobela dossier oyo est concerné assise entre ye na batu ya AFC batika la kokuta na jamais. C'est pas pour ça qu'il est parti là-bas. Alors, il est accusé par le gouvernement, ordonnance est signée, il est révoqué. Mais si nous revenons de l'autre côté à nier ba allégation wana, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il y a nié ango, aboyi que non ça il ne connaît pas, a ébité. Est-ce que le gouvernement ils ont entamé un processus à dialoguer? Le gouvernement il oublie boy qu'on dialogue était mais dans le cadre de Luanda. Patrick Muyaya a fait savoir que jamais RDC ezo lingai dialogue na Luanda en dehors ya processus ya Luanda. C'est-à-dire, bakotika na cadre ya Luanda nde dialogue kozala. Aussi longtemps cela n'est pas respecté, donc dialogue et kozala te. Le temps que Trevezo continue aussi dans les 3 août, une grande question se pose de l'autre côté. Qu'est-ce que le gouvernement congolais va pouvoir faire? C'est une grande question. À ces officiels, bao bazolanda biso botambisa bango message que déjà la population se demande une question. Qu'est-ce que le gouvernement congolais, pas le FRDC, toujours le gouvernement congolais. Parce que ça l'appelle la décision au gouvernement congolais. Si le gouvernement congolais va désormais déclarer la guerre d'une manière officielle contre les rebelles M23, contre les Rwanda, Tokoye Bango juste après trêve, ou aussi là le 3 août, Tokoye Bango, est-ce que la République démocratique du Congo
et qui est comme ça bitumba juste après trêve ou bien après trêve bako bakisa bajour mosusu ou bien après trêve koko ya français mosso et kobima. Qu'est-ce qui va se réaliser après trêve? Nini eko salima? Nini eko zala? Plusieurs questions se posent tout autour de cette situation. Comment va se comporter l'armée congolaise après trêve? Qu'est-ce qu'ils sont censés faire? C'est temps ici, tu es bien qu'ils vont respecter trêve. Ça, on le sait au moins. Ils respectent la trêve, ils ne se battent pas, bien que trêve les a violés, dénoncé par le gouvernement congolais de la part du Rwanda, mais cela continue. Nyoswana, ils ont continué. Mais la plus grande question, oh, ils ont mis tout là, avant même qu'on y arrive, les Congolais se demandent qu'est-ce que le gouvernement va pouvoir faire avant trêve et si là, et juste après trêve et si là. C'est une des plus grandes questions qui se posent aujourd'hui. Ils ont mis tout là, makasi, ils ont mis tout là, lelo. Est-ce que tu as observé le rythme ou bien nous allons faire la guerre d'une manière ou dans tout ça la ngote. Tu as déclaré Bitumba, est-ce que tu as kende la table à négociation? Est-ce qu'après trêve, les rebelles seront déjà partis, ne seront plus sur le sol congolais? Des questions se posent tout autour de cela. Alors, voilà, le président de la République révoque les responsables du PDDRCS. Un jour après, un document attesta sa mission de service en Ouganda. Ordonnance est révoquée de la fonction spécifiée en regard de son nom. La personne ci-après, Baala Okwibale Luchehe Jean Bosco, coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Cela nous a été communiqué par Tina Salama, porte-parole du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Voilà donc la situation. Mesdames et messieurs, on se fixe un nouveau rendez-vous à la prochaine pour d'autres actualités. J'étais Youssoufou Kibingila à David, mais je ne saurais pas aussi finir cette émission sans vous parler autant de ce qui se passe sur les lignes de front. La trêve, comment ça continue? La trêve, comment est-ce qu'elle évolue? Je vous parle ici que les rebelles du M23 ont été pourchassés aux alentours de Bweremana. Ils voulaient quel mot je vais utiliser, Seigneur? Ils voulaient à tout prix assiéger, voilà, ils voulaient assiéger Bweremana. Raison pour laquelle ils ont jeté de multiples bombes. De milliers de bombes sont tombées à Bweremana. Non, pas seulement parce que ces gens voulaient prendre la cité, et puis parce que bazo sala yango pour que collaboration ou la population zanango na ba FRDC ici là. Ils ne veulent pas que ait continué. Bazo lingate continue, ils ne sont pas contents, ils sont jaloux de ça. Bazo jaloux. Et puis, ils veulent se servir la cité de Bweremana comme Zela Oyeko Bandako Lekisa, minéré sur le lac Kivu. Parce que Bamoni Zela Oyeko Bimela Moucha qui kokende la Zamba pour y arriver Ruchuru, c'est très loin. Et il y a encore des risques parce que les Wazalendo, Bazo Tandre Bango Bambiska de Kili Kili, Bisika Nyosu. Et ils continuent à tomber dans ces pièges. Raison pour laquelle. Pona bango, il est important de faire trop la guerre sur Bweremana parce que wana eza pene ya mai. Facilement minere ko bimaruba ya Bweremana et puis ba chemine yango tina Rwanda. Nous sommes en train d'appeler cette résistance de ces jeunes. Ba jeunes Wazalendo. Ba FRDC. Population. Résistez, résistez, résistez. Ne cédez pas. Bon cédez te, bon continuez qu'on résistez. Si vous cédez, Bweremana ce qui est écrit, c'est fini. Ce qui Bweremana est écrit, c'est fini. Résistez, résistez, bon résistez, résistez, ne bougez pas. Bon résistez. Et puis votre résistance est comme ça la bien amitema yaba congolais. Mesdames et messieurs, vous étiez nombreux à nous suivre dès le départ de cette émission. Malgré la santé, on s'est forcé pour vous informer. Je vous dis merci personnellement. Je reste Youssoufou Kibingila à David, journaliste d'investigation disponible au plus 243 993
46 71 93. Bonne journée à vous et on se revoit demain, même heure, même plaisir pour d'autres actualités.